Vous avez les questions sécuritaires sur lesquelles on a énormément de difficultés aujourd'hui, parce que la situation est celle que vous la savez. Vous avez aujourd'hui des partenaires qui ont changé un peu leur politique. Vous avez, après les changements du 18 août, sinon bien avant, il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays. Il y a des zones qui sont abandonnées, qu'il faut occuper aujourd'hui. On ne peut pas laisser le vide. Les forces ne suffisent pas. Ça va mener à une certaine dispersion des forces. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter certaines localités, s'ils décident désormais de partir, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous interroger. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des plans B? D'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché, puis les gens se sont retrouvés seuls. C'est cette réflexion qui conduit à des débats aujourd'hui. On nous accuse de vouloir changer de stratégie. Le président a dit simplement à la CEDEAO que on ne peut pas être dans une situation où, par exemple, on apprend qu'il y a une attaque quelque part. On a un hélicoptère qu'on veut voler pour aller, on nous l'interdit. Au motif que cette zone, c'est une zone d'entraînement d'autres forces partenaires. Cette situation ne peut pas continuer. C'était pas le passé, mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans ça. Ça, c'est très clair. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel avec un pays si on a un accord, parce qu'un autre ne veut pas. On ne peut pas le faire. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné parce qu'un pays ne veut pas. Et c'est d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par trois raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tous les territoires. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Le terrorisme s'est étendu. L'autorité et la souveraineté de l'État n'est pas restaurée partout. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. La dernière, c'est celle qui devait passer il y a deux semaines. Le Mali a refusé l'augmentation du contingent de l'AMINUSMA parce que ça a été fait sans nous. D'habitude, ça se fait sans le Mali. Cette fois-ci, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Donc, on a dit à notre ambassadeur de s'opposer. On ne peut pas augmenter le nombre d'éléments de l'AMINUSMA sans savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'on discute. C'est ce qu'on a fait depuis 9 ans. Bon, tout cela amène, on va vers d'autres horizons. Je l'ai dit dans mon discours à la place de l'indépendance le 4 juin, alors que je n'étais pas investi par le président de sa confiance. Mais il y avait déjà les désignations du M5. J'avais dit très clairement qu'il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on élargisse les possibilités de coopération pour maîtriser notre défense nationale. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, naturellement, tout ce qui est changement est difficile à être accepté, mais il n'y a rien d'autre derrière. Voilà là où nous en sommes.